Dieu merci, c'est vendredi. Ce doit être l'une des citations les plus déprimantes que j'ai jamais entendues. Et qui le dit ? À peu près tous les humains qui travaillent sur cette planète. Pensez-y, la plupart des gens passent près de la moitié de leur vie éveillés au travail. Et ils en détestent chaque minute. Survivre 5 jours de la semaine pour pouvoir vivre 2 jours de week-end. Passer 47 semaines de l'année dans la misère pour seulement pouvoir profiter de 5 semaines une fois par an. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cela ressemble à de la folie. Ce n'est pas leur faute, mais cela n'a pas besoin d'être votre réalité. Vous pouvez choisir différent, et vous méritez mieux. Et si vous êtes prêt à croire en vous-même, à reprogrammer votre esprit et à faire le travail requis, vous pouvez vraiment devenir quelqu'un que personne ne pensait pouvoir être. Peut-être même pas vous. Cela demandera beaucoup de travail, principalement du travail personnel. Mais cela en vaudra la peine à la fin. Et plus vous faites de travail sur vous-même, moins vous aurez besoin de travailler à l'avenir. Car plus vous deviendrez mieux, plus vous aurez de compétences, plus vous aurez de liberté pour choisir votre vie, plutôt que d'accepter ce qui vous est remis. Au lieu de choisir un travail par nécessité, vous aurez la liberté de choisir ce qui vous fait du bien. Le but est d'arriver au point de votre vie où votre travail ressemble aux vacances. Quand vous partez en vacances, vous allez plutôt faire votre travail. C'est le but. Parce que si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous aimerez la majorité de votre vie. Parce que c'est là que vous passez la majorité de votre temps. Certains d'entre vous pensent que c'est fou. Mais quiconque vit son but, fait ce qu'il aime tous les jours, ce n'est pas fou. C'est la réalité. Alors comment créez-vous cette vie ? Vous le créez d'abord en croyant que c'est possible. Sans cette croyance, vous n'essayerez jamais. Vous ne lui donnerez jamais l'effort nécessaire ou vous arrêterez bien trop tôt. Vous devez croire que c'est possible. Et sachez ceci, c'est possible. Demandez-vous si quelqu'un a déjà fait cela ou vit cette vie maintenant. La réponse est évidente. Alors s'ils le peuvent, vous le pouvez aussi. Vous créez cette vie avec des objectifs. Plus spécifiquement et surtout, ils doivent être des objectifs effectifs. Où veux-tu être dans 1 an, 5 ans, 10 ans ? Que veux-tu faire ? Combien voulez-vous gagner ? Qui allez-vous aider et inspirer en faisant ce que vous allez faire ? Quel exemple allez-vous donner ? Et comment la vie de ceux que vous aimez sera-t-elle changée par votre exemple ? Vous construisez cette vie en ne chassant pas l'argent. Oui, effectivement, vous ne faites rien dans le seul but d'argent. Vous faites quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, et puis trouvez un moyen pour que cette passion vous rémunère. Et cela va arriver si vous croyez et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour y parvenir. Vous créez cette vie en servant les autres. Vous ne pouvez pas y arriver en vous servant seulement. Votre revenu sera relatif au nombre de personnes que vous servez et au niveau d'impact que vous avez sur les autres. Vous construisez cette vie en apprenant et en appliquant ce que vous avez appris, tous les jours. Vous construisez cette vie en échouant et en vous relevant après avoir échoué, maintes et maintes fois. Vous construisez cette vie en trouvant votre chemin et en maîtrisant votre art, en s'améliorant et évoluant à travers vos apprentissages, vos échecs et en étant suffisamment présent pour remarquer le chemin parcouru, combien vous avez grandi et sachant que chaque chose que vous faites chaque jour importe. Chaque action que vous entreprenez est une étape qui vous rapproche ou vous éloigne de la vie que vous souhaitez. Vous créez cette vie avec intention. Alors, fixez l'intention de votre vie dès maintenant. Que voulez-vous de cette brève expérience humaine que vous avez en ce moment ? Quel impact aurez-vous ? Quel exemple allez-vous donner ? Allez-vous créer une vie où vous n'avez pas besoin de vacances ? N'hésite pas à t'abonner et à activer toutes les notifications pour avoir accès à chaque semaine à une vidéo motivation. Merci encore.